À l'aube d'un siècle nouveau, l'Europe se réveille en guerre. Tremblant pour leur propre tête, les empereurs voisins avaient mis leurs armées en marche. L'idée était mauvaise. Ils allaient le payer cher. Les Français inventèrent l'une des armes les plus terribles de l'histoire. Ils l'appelèrent Napoléon. La solution fut radicale. Les empires connaîtront 20 ans de guerre avant de se débarrasser des Français. La France retrouva les frontières qu'elle occupait avant Napoléon. Quand se posa un problème, comment se partager la Belgique? Et elle était à qui avant Napoléon? À l'Autriche. L'Autriche? Quoi, l'Autriche? Le Tyrol, c'est pas la porte à côté. Bien sûr. Alors que Paris n'est qu'à 3 galipettes de là. D'un point de vue pratique, admettez qu'un rattachement à la France... Sous Napoléon, la Belgique était un pistolet sur la tempe de l'Angleterre. Autant dire à la France qu'elle peut aller se brosser. Elle préfère une province bien anglaise. Non, ne vous gênez pas, servez-vous. L'Angleterre veut un rempart contre la France. Alors, donnez Belgique à personne. Personne. Da, donnez à Guillaume. Guillaume ? Combattre Napoléon avec nous ? Méritez petite récompense. Le Guillaume, c'est pas genre rigide ? Ah, ça c'est sûr, ça rigole pas avec lui. Pas français, pas anglais, plus vous disputez. Allez me chercher, Guillaume. À peine a-t-il reçu la Belgique que Guillaume Ier veille bâtir un empire industriel immense. Les Pays-Bas allaient être riches, très riches. Je suis désolé, Altesse. Votre fils n'a pas survécu. Et mon épouse? C'est la future reine d'Angleterre, docteur. Sauvez-la. Dormez tranquille, votre Altesse. Elle est dans les mains de la science. Léopold! Qu'est-ce que c'est que ça? 50 000 livres? Belle maman, c'est ma rente annuelle. Et ça vous vide les caisses de l'Angleterre sans sourciller. Il est grand temps de vous trouver un job. Je suis général. Et je crains qu'en l'absence de bataille... Que faisiez-vous devant le portrait de ma fille? Vous vous larmoyez, mon grand. Pas du tout, Non, vous faisiez des poussières sur la cheminée? Vous voulez un coup de main? Mais non. 13 ans. 13 ans qu'elle est morte. Réveillez-vous! Vous êtes prince allemand, de sang royal. Un prince, ça règne. Vous n'allez pas remettre ça. Les Grecs ont fait une révolution.
Il vous offre un trône. Ah non, belle maman, pas les Grecs. Quoi? Quoi? Pas les Grecs? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Grecs? Vous adorez l'art grec? C'est à une semaine de Londres. Un pays au bord de la faillite avec ça. Non, soyez aimable de vous trouver une autre bonne poire. Léopold, cessez de... Quelqu'un peut m'expliquer? Nous sollicitons auprès de votre grandeur l'autorisation d'exister. Et mon rempart contre la France? Qui va me protéger des révolutions françaises? On s'en occupe. On s'en occupe. Vous inquiétez pas. Non, sous ça. Pas de problème. Nos problèmes. Faites-nous confiance. Oui, je m'y engage. Il n'y a pas de quoi fouetter un plan. Pareil qu'avec la Hollande. Ah, pareil. Pareil. Nous autorisons l'indépendance de la Belgique si elle reste neutre et loin des idées révolutionnaires de la France. Moi, je me réjouis de voir la tête de Guillaume Ier. Holy shit, Guillaume! Guillaume, mon petit... Je refuse de signer ce document. J'ai construit la Belgique, un empire d'usine, une fortune? Et vous voulez que je la laisse aux Belges? Mais vous rigolez! La Belgique est à moi! Si c'est comme ça, c'est la guerre! C'était ça? Votre plan supposé nous protéger des révolutions? Hein? Vous parlez d'une réussite. Bon, n'y va chier, Vialundier! Guillaume a été très maladroit. Il n'a même pas été fichu de s'entendre avec des Belges. Considérez Belgique comme colonie. Prenez tout pognon! Débrouillez-vous! Que cette démence ne donne pas d'idée de liberté à toute l'Europe. Facile? Donnons-leur un roi. Ben voyons. Quoi? Vous ne lâchez jamais. Je proteste, je ne parlais pas de moi. Trouvez un spécimen honnête. Au quoi? Gentil, ami que tout le monde voudrait avoir. Personne lui faire guerre, Belgique restée indépendante, et vous arrêtez disputer. Ya fou, arrêtez disputer! Non, vous, taisez-vous! Mais j'allais dire que l'idée est originale. Honnête, on n'a jamais vu ça. Attention, un tout petit roi, ni anglais, ni allemand. Il est mieux que ça. Il est anglais et allemand à la fois. Belle maman. J'ai reçu un trône. Félicitations, Majesté. Vous ne comprenez pas? Ils m'ont donné un pays entier avec les gens, les fermes, les poules. Alors, longue vie au roi Léopold Ier. Des catholiques qui congédient un roi protestant. C'est insensé, moi aussi je suis protestant. Ça, ce sont les Belges, Majesté. Mais pourquoi moi? En quoi ferais-je mieux que Guillaume? Guillaume Ier n'est que mépris. Vous, sire, vous avez la noblesse du cœur. Ce sont des braves gens, vous leur plairez beaucoup.
Allons à Bruxelles, dans ce cas. On prononce Bruxelles, Votre Altesse. Ah, c'est pas X. Non, mais je vous expliquerai. Pourquoi diable tant de ferveur à mon égard? Vous êtes leur nouveau roi, sire. J'entends bien, mais ils ne me connaissent pas. Vous dites, sire? Non, ils ne me connaissent pas. Posséder un roi signifie qu'ils sont une nation, sire. Ils comptent sur vous pour les protéger de l'appétit des grandes puissances. Sur moi? Mais ils sont fous. Ce sont des Belges. Je le savais, on va y prendre les Grecs. Bon, eh bien, j'espère que vous aimez les gaufres. J'ai accepté cette couronne pour garantir l'indépendance d'un peuple généreux. Mon cœur ne connaît d'autres ambitions que votre bonheur. Votre bonheur. Bien le bonjour, Votre Majesté a bien dormi. C'est à moi que vous parlez? Écoutez, Sa Majesté a mal dormi. Ah non, c'est que j'avais jamais entendu la voix d'un domestique. Ouf, vous avez pas dû rigoler tous les jours, hein, chez les Anglais. Vous n'allez pas regretter d'avoir changé de plumard, je vous le dis, moi. Le cuisinier a tenu à vous gâter avec un petit plat bien de chez nos autres. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, Votre Majesté. Mais c'est alors, moi, c'est... Non, c'est... Votre Majesté, vous tombez bien. Vous me rangerez ça dans votre chambre, hein? Ma chambre, mais... Dites, vous faites quelle taille dans vos culottes? Mais ma culotte... Et venez pas me foutre le bordel, j'ai tout rangé, hein? Bonjour, Votre Majesté. Quelques courriers sont arrivés ce matin pour Sa Majesté. Tous envoyés par vos nouveaux sujets.
Les mécontentes se font jamais attendre. Hein. Que me reprochent-ils? Mes origines allemandes? Mes liens avec l'Angleterre? Pas exactement, sire. La plupart souhaitent la bienvenue à Sa Majesté. Et le félicite pour son splendide costume. Mon costume. D'autres espèrent que votre majesté a apprécié leur gaufre. Et lui envoie la recette au cas où. Un charpentier vous fait remarquer, je cite, qu'un essieu de la charrette de Sa Majesté est souffrant. Il vous propose de le changer gratuitement demain et vous invite à rester souper à la maison. Ma charrette. Le fiacre royal, une charrette. Il n'est plus de toute première jeunesse, Majesté, je vous le concède. Des nouvelles de la ville d'Anvers, Majesté. Guillaume de Hollande vient récupérer la Belgique à la tête de 80 000 hommes. Quoi? Comment ça, récupérer la Belgique? On ne vous a peut-être pas tout expliqué, sire. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait sonner l'alarme. Ouais. Mais elle est pas en panne, l'alarme. Quelle heureuse surprise! Je vous confie un royaume grand comme un cuberdon. Et c'est le retour de la guerre en Europe. Tout ça en 10 jours! Je vais mener la riposte, belle maman, en sabre au clair! Cessez de faire l'enfant! Votre armée est miteuse, un ramassis de cutéreux indisciplinés! Guillaume ne vient pas faire la guerre, il vient vous infliger une correction! Seul, vous courez à votre perte! J'écris aussitôt au roi de France. C'est ça, bonne idée! C'est pas la jugeote qui vous étrangle, vous! Louis-Philippe rêve de faire main basse sur votre petit royaume. Il a déjà dessiné les plans de son palais belge. Vous m'aviez promis la protection des puissances. Louise Marie, princesse d'Orléans, fille aînée du roi de France. Princesse Bobonne? Belle maman, vous vous plaisantez. Vous l'épouserez, afin que la couronne belge se lie officiellement à la famille royale française. Le roi de France sera forcé de vous secourir, tout en vous laissant votre trône. Une potiche de salon? Catholique en plus? Non, vous pouvez pas me faire ça! Ne me remerciez pas. Je préfère encore les canons hollandais. À votre guise, dites adieu à Bruxelles et à votre royaume rempli de rustres. Ces gens font... Ils font preuve d'une générosité naturelle qui fait cruellement défaut dans les couloirs glaciales de votre royal palais. Et on prononce Bruxelles! Cette histoire de X, ça porte à confusion. Et que fait-on au sujet du roi de France, sire? On l'appelle? Oui, enfin, non. Que ses troupes se mettent en route, mais sans se presser. Sans se presser, Majesté? Comment ça? Je ne sais pas, qu'elle patiente à la frontière. Mon peuple compte sur moi. Nous allons nous débrouiller sans les Français. Reine de Belgique? Vous voulez dire... la Belgique? Avec les Belges? Mais... Non! Eh bien quoi? Relevez-la! Mais père, vous n'y songez pas! Il est plus vieux que Saint-Pierre! Et lugubre avec ça! Il est...
Il sourit autant que quelqu'un qui ne sourit jamais. Qu'importe, c'est la main du Seigneur qui vous a désigné pour incarner la grandeur de la France. Mère, pourquoi le Seigneur m'envoie-t-il chez les primitifs me marier à un protestant? Sachez, ma fille, que votre sacrifice n'en sera que plus apprécié. Non, oh, non, il suffit. Vous offensez le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est l'armée belge, sire. Les valeureux défenseurs de la patrie, barons de leurs fiers torses. Oui, mais c'est quoi l'idée des piques, là? Je le sens pas trop. Nous n'avons pas de fusils, sire. Et dans la brume des plaines flamandes... Pas de fusil. Et lui? Il a apporté le sien, mais il refuse de le prêter. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Voyons, majesté, c'est le sien, c'est normal. De toute façon, c'est sans importance, sire. Sans importance? Sans importance. Nous n'avons pas de poudre. Aguerris par nos victoires passées, nous serons de nouveau parvenus. 26 000 hommes sans armes, sans nourriture, que voulez-vous? Et sans chaussures! Pas exactement 26 000. Un peu moins, depuis l'embuscade. Les Wallons ont été attaqués, ils ont pris la fuite. La fuite? Techniquement, on ne parle pas vraiment de fuite. Non, ils sont simplement rentrés à Liège. Nous venons de perdre la moitié de notre armée. Le Liégeois est susceptible, sire. Bah, écoutez, et il vaut peut-être mieux... bon, comment vous dire? Voilà, vous devez comprendre une chose. Attention de Sa Majesté, combien il devient incommode de retarder l'aide de la France. Votre Altesse, rendez-vous! Jamais! Alle commons! Klaar te vuren! Verdomme! C'est le roi de France, sire. Sa Majesté, le roi de France, vous fait savoir que désormais, tout coup porté sur la Belgique est un coup porté sur la France. La marine britannique a encerclé les ports hollandais, Majesté. Vous ne vous sentez pas bien, si? Vous savez comment sont parfois les catholiques.
Il déploie tous ses efforts pour me rendre heureuse. C'est un homme juste, aimé de ses sujets, mais oh mère, si vous saviez, il est si triste. Son cœur n'a jamais cessé de battre, mais il a cessé de vivre. C'était plus silencieux ici. On se croirait dans un couvent. Vous n'avez donc pas de courtisans ? Non, en effet. Mes sœurs m'écrivent que dans toutes les cours du vieux continent, on se rit du palais belge. Le vide, le froid. On raconte que l'obscurité y fait fuir la lumière des bougies. Je ferai commander une caisse de chandelles, ma chère. Peut-être que des rires d'enfants apporteraient plus de chaleur que votre caisse de chandelles. Il serait peut-être temps pour Sa Majesté de sortir de sa royale tristesse pour offrir un héritier au royaume. Voyons, cher. Béni soit le Seigneur, je vais être grand-mère. J'ordonne ceci pour fêter la mort de l'héritier du trône de Belgique. Des réjouissances seront organisées partout dans le royaume. Comment allons-nous récupérer la Belgique, Votre Altesse? Les puissances françaises et anglaises le protègent. Montrez-leur que ce pays est un échec. Donnons-leur ce qu'elles redoutent le plus, des révoltes, du chaos. Saboter la Belgique de l'intérieur, ridiculisez-la. Nous saboterons, Votre Majesté. Faites-moi perdre son trône à ce poseur. Sabote le pays de l'intérieur, Votre Majesté. Des émeutes contre la bourgeoisie éclatent partout. Il a monté mes Belges les uns contre les autres. Il y a pire. L'aristocratie belge regrette la bonne gouvernance hollandaise. Il se moque du roi, sire. Il vous nomme le roi vampire. Les puissances doutent. Elles menacent de se réunir. Cela fait 8 ans que vos troupes occupent mon pays, Votre Majesté. Quand comptez-vous partir ?
dès que vous signez les nouvelles conditions. Les nouvelles conditions. Nous gardons ceci et ceci. Hein? Mais dans ces contrées vivent des Belges. Aucun ne prétend devenir sujet de votre majesté. Je n'ai pas fini. La Belgique continuera à payer nos dettes. La moitié. Et nous gardons ceci pour taxer tous les bateaux qui entrent en Belgique. C'est là un châtiment infligé à un vaincu. Je refuse. Oh, la barbe avec vos Belges. Qui s'en soucie? Mon bon ami Guillaume vous rend votre royaume presque entier. Je vous ai écrasé sur le champ de bataille. Vous avez perdu la guerre, Léopold. La Belgique a montré sa faiblesse face à une invasion. Elle n'est plus un rempart contre la France. Mmh. Elle n'est plus qu'un foyer révolutionnaire. Dangereux pour les monarchies voisines. Da, Belge, sauvage, cannibale. Plus personne ne croit en la Belgique, Léopold. Il est normal de renforcer la Hollande. Est-ce pour entendre cela que j'ai épousé votre fille, beau papa? Oui, bah sans ma fille, vous n'auriez plus un radis. Alors, camembert. Signez ça, mon petit, ou bye bye Belgique. Je signe. Mais je vous rachète les territoires que vous me volez. 60 millions de florins. Immédiatement. Hein? Non! Rien! Where? Oh, à la bonne heure. En 1839, la Belgique ratifie le traité des 24 articles qui l'ampute de la moitié du Limbourg et du Luxembourg. Durant 20 ans, Guillaume Ier étrangle le port d'Anvers. Comment notre peuple va-t-il me juger? J'ai laissé dépecer le royaume par les vautours. Je n'oserais plus me présenter devant eux. J'ai échoué. Je n'ai pas le choix. Je vais abdiquer. Guillaume a gagné. Je rentre en Angleterre. Abdiquer? Messire, vous avez sauvé la Belgique. Mais sauver la Belgique? D'après la nouvelle constitution, qui est le commandant suprême des armées? Le roi, majesté. Soldats, autant vous avouer que vos performances militaires n'ont pas joué en faveur de notre image de grande puissance. Pour cette raison, je vous ai commandé du matériel plus adéquat. Nous avons également décidé de renvoyer vos officiers. Ils seront remplacés par des instructeurs militaires que nous avons fait venir de France et de Pologne. Des Polonais, sire? Vous êtes sûr? L'occasion de nous faire découvrir les vertus de la discipline. Nous parler de ça.
scandale! De quel droit? Moi, expliquer. Si. Bon, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un nouveau modèle de canon, je laisse voir. Et pourquoi y avoir mis une cheminée? C'est bien les Anglais, ça. Écoute, c'est un train. Un attelage roulant sans l'aide des chevaux. Avec du charbon. N'est-ce pas stupéfiant? Voyons, sire, nous pouvons très bien offrir à Sa Majesté un nouveau fiacre royal. C'est vrai que l'ancien commence à faire un peu... Mais ce n'est pas pour moi! Je veux offrir ce train à mes Belges! Un train, c'est moderne, ça fait grande puissance! Tous les yeux seront tournés vers la Belgique. Plus personne ne songera à nous envahir. Mais enfin, Majesté, qui accepterait de monter dans cet engin diabolique? La Belgique est le second pays d'Europe à se doter du chemin de fer. Malheureusement, lors du premier voyage inaugural, une panne imposa aux 300 passagers de rentrer à pied. Laissez tomber, sire, elle est foutue, voyez bien. Une seconde panne quelques jours plus tard. Le roi de France refuse de vous donner ses colonies. Qu'on lui coupe les mains et à tous ceux qui m'obéissent pas. Ennemis? Nous? Non, ça se saurait. Entre riches voisins. C'était Rium. On a dû s'en débarrasser. Libérez le port d'Anvers. Levez le blocus. Reconnaissez enfin l'existence de la Belgique. Cela risque de vous coûter un petit peu. Grâce aux trains et aux industries laissées par Guillaume Ier, la Belgique devient la deuxième plus grande puissance économique au monde. Léopold Ier, roi des Belges, parle 7 langues. Il passe ses journées à s'instruire. On l'appelle... le roi savant. Dans toutes les cours d'Europe, il est désormais l'oncle Léopold. Il est devenu le plus âgé, le plus instruit des souverains. Il devient l'arbitre de leurs différends. Le plan de l'Angleterre a fonctionné. La paix en Europe est maintenue durant son règne. Ah!
dormez tranquille, votre Altesse. Elle est dans les mains de la science. Le monde entier déteste spontanément votre fils, Majesté. Sa mère était la seule personne à le supporter. Puis sa disparition, il se renferme. Il ne me parle plus. Que va devenir ce pays avec un tel monarque? Il attend votre mort, votre Majesté. Son Altesse prépare l'invasion du monde et rêve de créer son empire colonial, dont la capitale s'appellerait Léopoldville. Léopoldville? L'Afrique! L'Amérique du Sud! Et même la Chine! Quand nous serons rois, notre empire s'étendra sur le monde! Ça lui passera. Revenez! Le prince allait vous parler de l'invasion de la Chine! Qui ose? Se termine, Majesté. Vous avez perdu. J'en ai peur. Perdu? Mais vous m'aviez dit que j'avais sauvé la Belgique. La reine? C'est la mort de son père qui l'a tué. Son père, le seul homme de sa vie. Quand tombent la reine et le roi, seul reste le fou. Le fou qui, toute sa vie durant, lutta pour arracher un regard à son royal père. Alors, aujourd'hui, que tremblent les pions noirs. À présent, si votre majesté veut bien me suivre, elle est attendue. La Belgique a, comme nous, perdu un père. Léopold Ier n'est plus. Il laisse derrière lui un état respecté de tous, à la fortune considérable. Mais il a négligé la splendeur qu'il mérite. Père, comment avez-vous pu tenir entre des frontières si étroites? Mais revenez, le roi n'a pas encore commencé. Revenez, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Léopold II devint un roi égocentrique et taciturne, détesté de tous. Il se lança seul à la conquête de l'Afrique, plongeant la population du Congo en esclavage. L'ancien royaume de Guillaume, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se réunifièrent au XXe siècle pour former le Benelux. Il fut le premier pas vers la fondation de l'Union européenne. Léopold Ier, roi bon et généreux, avait sauvé la Belgique et maintenu la paix en Europe. Adoré de ses sujets, un demi-million de personnes marcheront jusqu'à Bruxelles pour adresser un dernier adieu au roi savant. Thank you.
Et là, c'est la Grand Place. Ses façades sont un grimoire à ciel ouvert qui enseigne à l'initié la formule alchimique de l'immortalité. Là, c'est la place Sainte-Catherine, où une vieille femme y aurait accouché d'une grenouille. La faute à la Vierge Noire de l'église. Vous imaginez ? Une grenouille !